Je me fais la machine numérique, je la finis, je fais tout ce qu'il y a à faire, je travaille avec. Et au futur, la dernière modification que je ferai dessus, ça sera ces rails sur les côtés là. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, toujours impeccable. Nouvelle journée pour moi, c'est la suite pour vous, suite logique. On va s'attaquer à la plaque du dessus pour fermer ici, pour que la tige filetée, quoi, la vis trapézoïdale puisse reposer quelque part et que je puisse mettre mon écrou. Pour le moment, je vais faire les quatre trous ici pour pouvoir la visser et après je vais me recouper une vis trapézoïdale. Bon, j'en ai deux là, voilà, j'ai des longueurs, j'ai des bonnes longueurs, j'ai deux grandes longueurs de 1m50 je crois, ou 1m20 ou un truc comme ça. En fait, je vais la faire à fleur d'ici, du moins ici, ou un peu plus haut, parce que c'est à peu près la même épaisseur que cette plaque que je suis en train de faire. Et en la mettant comme ça, regardez la hauteur, je sais pas si vous allez voir quelque chose, ça c'est un poil plus haut, c'est ce que je veux, parce que en bas, je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est un peu noir, peut-être comme ça. Oui, là j'ai pas de jeu ici entre la plaque et la plaque noire. J'ai pas de jeu du tout. Donc en fait, entre cette plaque et cette plaque, je voudrais un jeu de fonctionnement, parce que je vais mettre un fin de course. Donc en fait, il faut que je remonte ça vers le haut. Et en fait, définitivement, ça, ça sera plus haut que la vis. Donc pourquoi je vous dis ça? Pour intégrer ça. Alors soit je le mets dessus, mais ça risque de faire un peu haut. Regardez comme ça, c'est un peu trop haut. Mais si je mets le jeu de fonctionnement en bas, je serai mieux en haut. Donc ça, automatiquement, ça va monter. Mais il faut que je regarde aussi mon jeu qui me reste entre ma plaque là et mon haut de plaque. Ça, c'est le jeu de fonctionnement que je vais avoir pour que lui puisse monter. Ça, c'est mon jeu de fonctionnement. C'est l'amplitude que j'ai pour pouvoir monter tout mon plateau. On se met à faire les plaques de suite et je vous reprends après. Dès que c'est fini, je vous explique la suite. Allez! Voilà, vous m'avez vu, j'ai monté tout le petit bric-à-brac. Donc voilà à quoi ça correspond. Ça fait un peu usine, mais bon, c'est relativement simple quand même à le comprendre. Donc, premier truc, il y a une plaque derrière, là, la plaque ici avec les roulements, avec les roues du moins. Donc voilà, basique. Sur cette plaque-là, il y a au milieu, vous devez le voir, là où il y a la vis trapézoïdale, le truc noir juste au-dessus du truc bleu, du coupleur bleu, il y a
l'écrou pour la vis trapézoïdale, voilà, qui est prise sur la plaque là où il y a les roulettes. Et sur l'écrou de la vis trapézoïdale, j'ai remis notre plaque pour pouvoir mettre mon ensemble de rails, vous savez, la hauteur de rails, comme ceci. Voilà, hop, je vous le filme sur le côté. Voilà, ça va venir comme ça. Bon, je sais pas trop où ça va venir, mais ça va venir dans ces eaux-là. Et à la fin, j'ai mis un fin de course. J'en ai mis que deux, parce qu'après, pour les régler, c'est quand même assez embêtant. Voilà, là, ils sont réglés normalement. Je vais me reposer quand même 5 petites minutes, parce que j'ai pas arrêté depuis aujourd'hui. Je suis un peu fracassé, on va dire. Je me repose 5 minutes. En même temps, je calcule pour les axes Z, où je les mets, comment je les mets. On se retrouve de suite pour faire une conclusion et pour vous montrer la fin de la journée. Voilà, tout simplement. Allez, à toutes. Bon, voilà, vous avez vu, j'ai tracé, j'ai percé tout le long. J'en ai mis un, alors, hop, je vais vous montrer, même si vous l'avez vu. Voilà, j'en ai mis un. Donc, lui est fixé, il est d'équerre par rapport à la planche là. Alors, maintenant, va arriver un petit technique. Il va falloir que je mette le même en face. Par contre, il faut que je le mette à la même hauteur que celui-là. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'équipe les quatre côtés avec le même chose que ça. Que je mette mon rail. Je vais réfléchir comment je peux faire pour tout bien mettre nickel. Et dernier truc que je vais vous montrer aussi. Le souci, c'est que j'ai un fin de course en bas, là. Mais j'ai pas de fin de course en haut. Parce que là, il risque de sortir. Alors, ce que j'ai vu est prévu... Hop là, je vais le faire descendre en bas. Je vais mettre un boulon ici, que vous avez vu. Je vais mettre ma fin de course sur le plateau d'en bas, comme j'ai fait pour la fin de course de là, ici. Et je le règle par rapport à cette vis qui peut bouger dans la rainure facilement. Voilà, tout simplement. Allez, on va s'équiper les quatre angles. On va se faire les quatre angles, même si je ne les règle pas, je vais les régler approximativement. Là, je l'ai mis à fleur quasiment du plateau, donc on n'est pas trop mal. La tige trapézoïdale, il ne faut pas que je me fie à elle, mais bon, quand même, c'est l'indicateur. C'est pas toutes les mêmes dimensions. Je peux la rentrer plus par rapport au coupleur ou je peux la sortir plus par rapport au coupleur, toujours pareil. Donc ça, il faut que je fasse gaffe à ma vis trapézoïdale, pas que je me prenne comme une référence à elle. C'est pas une bonne référence. Allez, on va se mettre les quatre et après je fais une conclusion pour la fin et on se retrouvera demain. Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, toujours impeccable. Donc, j'ai un petit peu travaillé, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors voilà, ça donne à peu près ça. Donc là, comme d'habitude, rien n'est réglé, je l'ai jeté comme ça pour le moment, pour regarder. Donc j'ai tout ça à monter, en sachant que là, je touche en bas complet. Donc lui, il faut qu'il monte. Je sais pas si vous allez entendre le petit claque du fin de course, là il a fait. Voilà, là, il faut qu'il soit là. Il faut pas qu'il soit plus bas. Là, on est au bon. Mais il me manque ça. Donc là, je vais mesurer qu'est-ce que j'ai et je vais mesurer les anthraxes des rainures, voir si je peux monter d'une rainure ou pas. Si je peux monter d'une seule rainure, que celle-là elle est trop haute, ben je peux la descendre, vous voyez. Après j'ai un réglage quand même assez, j'ai un bon réglage assez confortable, donc je vais arriver à trouver le bon juste milieu. Mais je suis en train d'essayer de regarder dans quelle rainure je les mets et après ça va dérouler tout seul. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se monter tout le tour des rails. Je pense que ça devrait être assez rapide. C'est parti. Alors voilà, j'ai commencé, j'ai pas fini à mettre les rails, voilà. Que ça, pourquoi? Et pourquoi je vous fais la vidéo maintenant, que je vous prends maintenant? Déjà d'une, je viens de regarder avec mon réglé et ici, là, j'ai regardé un petit peu le jeu qu'il a, la flexion qu'il a sur 2,50 m et j'ai 1,2 mm, allez, on va dire au grand maximum 1,5 mm en poussant avec la main. Bien sûr, en exerçant une pression comme
comme ça, ici je parle, hein, comme ça. Maintenant, comme ça, il bouge quasiment pas. Alors, je peux pas trop le voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout n'est pas serré. J'ai juste mis deux boulons ici, rien n'est serré, tout bouge pour que je puisse régler tout ça. Donc, c'est compliqué de regarder la flexion vers le bas ou vers le haut. Ça, c'est un petit peu compliqué. Je le verrai une fois tout fini, tout installé, tout nickel. Pour le moment, je suis largement plus satisfait que ceux qu'il y avait avant. Donc, c'est-à-dire les rails qui sont juste là, les 20-80. C'est largement mieux. C'est pas encore ça. C'est pas vraiment l'objectif que je voulais. Je voulais vraiment un truc rigide, rigide. Mais le problème, le seul souci qu'il y a, c'est qu'on trouve pas les profilés qu'on veut. Ce que je vais faire et que j'ai en tête de plus en plus, vraiment, je me fais la machine numérique, je la finis, je fais tout ce qu'il y a à faire, je travaille avec, je verrai où je peux aller et où je peux, qu'est-ce que je peux pas faire et qu'est-ce que je peux faire. Et au futur, la dernière modification que je ferai dessus, ça sera ces rails sur les côtés là. J'achèterai du profilé normal, donc c'est-à-dire un profilé classique, en 2,60 m, je trouverai, de toute façon, j'ai trouvé plein, sans de V-slot, sans le V-slot, et je l'usinerai avec une fraise, la bonne fraise qu'il faut pour le 90, pour le V-slot du moins. Et je le mettrai sur ma table et je l'usinerai avec elle. Comme ça, j'aurai une avance totale nickel. J'aurai pas de désaffleur. Je vais tester, voir qu'est-ce que ça donne. Si ça marche relativement bien, ben je me refais tout en 80. Et par contre, là, ça bougera plus du tout. Là, c'est terminé. Donc, pour le moment, on garde ça. C'est très, très bien. C'est une grosse amélioration. Et franchement, je suis pas déçu d'avoir acheté ça. C'est relativement propre. Après, on va se mettre le rail ici. On va essayer de regarder où il vient, comment il vient et tout le tralala. Ici, il me manque à mettre les... à couper, bien sûr, parce qu'il est un peu long. Hop, je vais vous montrer. Il n'y a pas grand-chose. Il faut que je coupe les côtés aussi. Allez, on se met à faire les profilés et on continue, on déroule la vidéo. Bon, je prends la caméra de petites secondes, je suis en train de régler vite fait, du moins le plus précisément possible déjà, en gros, cette traverse-là. Je me prends un bois, j'essaye d'avoir le même bois, c'est-à-dire ça c'est du MDF, c'est une chute qu'il y avait là, là c'était une grande chute, donc j'ai tout découpé dans la même. Normalement, c'est la même épaisseur de partout, donc je prends ça, je me les mets ici dans les quatre angles, là-bas aussi j'en ai mis là-bas. Donc déjà, ici, entre ma plaque, mon rail ici et ma plaque en bas, normalement j'ai tout pareil, j'ai toutes les mêmes dimensions, voilà, déjà ça. Après, je prends mon niveau, dans un premier temps, je dégrossis avec mon niveau, je mets mon niveau, je regarde où j'en suis, je regarde aussi le plateau où j'en suis au niveau, s'il faut je rajoute une petite cale, j'ai pris une petite cale, on sait jamais, et je me la rajoute là, je regarde grosso modo où j'en suis. Une fois que ça c'est fait, que j'ai un peu tout desserré, que j'ai un peu tout regardé, je prends cet outil là. Cet outil, il est fait pour regarder l'inclinaison des lames ou sinon d'autres trucs, et ça nous donne l'inclinaison. Vous voyez, imaginons je le mets comme ça, je suis à 0,1 degrés de différence par rapport là, vous voyez, il faut que je monte. Et là, si on le met un peu de partout, alors là, j'ai de la merde dessous, vous voyez. Voilà, là, je suis parfait, je suis à zéro, donc je l'ai réglé, bien sûr. Donc voilà, je suis en train d'essayer de régler comme ça, je vais faire tout le tour, je vais regarder mes éclairages, je vais regarder si tout est à peu près bon. Je vais tracer, et après, j'ai juste à couper, et voilà, on a quasiment fini sur ça. Il me restera à mettre les crémaillères de partout, les pignons aussi, faire de petites conneries, et je pense qu'on est vraiment bien parti pour finir cette machine. Ça va être une fin de vidéo pour aujourd'hui et pour ce vendredi là. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer aujourd'hui à finir cette machine. Je vais quand même me mettre à faire tout le tour là, bien la régler correctement, au moins ce tour là. Je pense pas couper aujourd'hui, donc
ça risque d'être compliqué pour la rentrer dans cette vidéo-là aujourd'hui. Vendredi prochain, on l'a fini total et je pense qu'on va pouvoir faire des tests d'écriture et tout. Je vais tout nettoyer, il faut que je lève le plateau aussi parce que je suis en train de faire un cahier des charges pour le logiciel. J'ai un logiciel qui va arriver propriétaire, mon logiciel à moi, personnalisé et tout ce qui va bien. Petit aparté, le logiciel ne va pas arriver vendredi prochain. Voilà, le logiciel va prendre quand même pas mal de temps. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vendredi prochain, on se la finit complète avec les tests d'écriture comme j'avais fait déjà auparavant. On va faire pas mal de petits tests. On va essayer de regarder si tout fonctionne bien. Et je pense que ce sera parfait. On va pouvoir commencer à travailler correctement. Se faire des tiroirs et tout. Bon, ça, on verra vendredi prochain. Je vous fais des bisous et à vendredi prochain. Bye bye.